Ils étaient 20 au départ des Sables d'Olonne le 10 novembre dernier. 14 sont toujours en course. En tête, Armel Lecléache sur Banque Populaire. Derrière lui, François Gabart sur Massif. Ils ont quitté le poteau noir, une zone où alternent calme blanc et grain violent. J'ai un peu peur. Ah ben ouais, mais Nao, le Vendée Globe, c'est pas la croisière s'amuse, hein. Faut être courageux. Hein. Même pas vrai, la preuve. Et voilà, Team Plastique souspire, le soleil, belle condition de navigation. D'autres sont en colère. On a pris une pénalité parce qu'en fait, apparemment, on est passé dans les rails des cargos, ça j'en conviens. Faut arrêter. C'est encore notre seul espace de liberté, le Vendée Globe et la mer, le tour du monde en solitaire. Gâchez pas tout, s'il vous plaît. Merci. Ce soir, Jean Le Cam est 8e à plus de 340 000 du leader.